Allez voir ma nouvelle vidéo. T'as une nouvelle vidéo? Sur ta chaîne YouTube? On est sur YouTube? T'aimes bien YouTube? Ouais, YouTube c'est cool. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Happy Coach, la chaîne dédiée au yoga, au pilates et à la méditation. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de yoga, je vous en dis plus après le jingle. Alors aujourd'hui, je suis avec mon petit garçon. Comment tu t'appelles ? Anaël. C'est Anaël. Tu as quel âge ? 4 ans. Tu as 4 ans. Et aujourd'hui, que va-t-on faire ? Du ski. On va faire une séance de yoga sur le thème du ski. Et c'est pour ça que sur notre tête, on a mis un bonnet. Tu as mis une écharpe. Et on a aussi mis notre manteau de ski. C'est pas parce qu'on n'a pas de chauffage à la maison. C'est pour vraiment vous mettre dans la thématique de la séance qui est... On part au ski, on va faire les activités du ski qu'on peut faire au sport d'hiver. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Donc une vidéo à faire avec vos enfants. Ça va être très simple, très très simple à suivre, assez court. Il n'y a pas besoin d'une demi-heure pour faire cette séance. Et vous allez voir, c'est hyper ludique, hyper sympa. Est-ce que tu es prêt, Anaël? Oui, tu es content? Tape dans les mains, on est super content. Check. Alors, avant de démarrer la petite séance, on va s'échauffer, tu es d'accord? Ouais. On va s'échauffer, mais d'abord, on va se mettre debout, mets-toi bien debout et on va imaginer, Anaël, regarde bien, que la neige, on lève les bras vers le ciel et que la neige, elle va tomber sur notre visage. La neige va tomber sur tes joues. Et sur ton cou, sur le cou, sur les épaules, et puis sur les côtés, sur les bras, et puis aussi sur la poitrine. Reste ici, s'il te plaît. Et aussi sur le ventre. Sur le ventre. La neige tombe sur le ventre. C'est froid. Ouh, sur les côtés. Ok, sur les cuisses. Sur le popotin, on tape ses petites fesses sur les jambes jusqu'au niveau des pieds. Ok, on enlève un peu son chapeau. T'es prêt pour t'échauffer? Mets-toi bien sur tes deux pieds, bien ancré au sol et on démarre avec l'échauffement de la tête. Tu te souviens comment on fait la tête? Doucement, doucement, elle va se décrocher. On fait des mouvements circulaires avec la tête. Très bien. Et on respire profondément parce que le yoga, il faut bien respirer, hein, mon chéri. Et ensuite, on va tourner les épaules comme ça. On chauffe bien les articulations des épaules. Bien, super. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va hop, faire des petits mouvements. Ouh, tu le fais trop bien. Bien. Pour bien chauffer le dos, hein, pour faire la descente de ski. Hein? Alors, il se regarde un petit peu. Il se voit sur le côté, il se regarde, il aime bien. Et après, on va bien chauffer les jambes. Regarde-moi, Anaël, hop. On met les bras devant et on fait une petite flexion. Hop, on descend et on remonte. T'es prêt? On va compter jusque 10. Tu comptes avec moi? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attention, 8, 9 et 10. Ok. La neige, elle est encore un petit peu sur mes bras, toi aussi. On va la faire partir. Regarde comment on va la faire voler dans le ciel. T'es prêt? Ouais. Mouvement circulaire, attention. Rotation, on tourne le bras et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, mon bras, il est sec. L'autre bras, on compte en anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Ah, secoue ta jambe droite un petit peu. Comme ça. Travaille ton équilibre un petit peu. Ok, l'autre jambe. L'autre jambe. Ah, super. T'es prêt pour faire la première descente de ski? Ouais, t'aimes bien le ski? Avance un peu. Ouais, mais on va le faire sur place, chérie. On va leur montrer comment il faut se placer. Viens ici avec moi. Tu reviens après? Regarde-moi bien. Regarde comment je vais faire. Ouais, c'est tout à fait ça. Il faut plier ses jambes. On serre ses pieds, on serre ses pieds, on serre ses pieds. Regarde mes pieds. Tu vas tomber dans la neige. Hein. Les fesses en l'air. Hein. Hop, on serre les pieds. Les pieds sont serrés.
Serre tes pieds. Ils sont où tes pieds? Voilà, on penche en avant, on met les bras derrière, on pousse les fesses, on plie les jambes. C'est parti pour la descente. Allez, vas-y. Première descente en ski, attention, une petite bosse, hop, on saute. Reprends, les pieds serrés, plie les jambes. Les bras en arrière, en arrière. Attention, deuxième bosse, hop, on saute. Allez, on descend encore un tout petit peu, ça fait mal aux jambes. Hein. Ouais. Attention, t'es prêt, une grosse bosse, hop, on saute. Ok, on arrive au bout de la piste. Ah, secoue un petit peu tes jambes. Oh, tu vas aller où? Tu vas aller au club de Piu-Piu? Pour avoir ta petite médaille, t'aimerais bien? Bah, faut bien te travailler, hein. On va s'échauffer un petit peu aussi. Tu sais ce qu'on va faire? Je sais pas ce que t'en penses, moi j'aimerais bien aller à la patinoire. Au sport d'hiver, on peut aussi aller à la patinoire. Tu sais comment on fait? Voilà. On reste calme. On regarde bien ce qu'il faut faire. Pour être calme, Anaëlle, regarde maman. Donc on va faire cette petite position. Il faut d'abord trouver le calme. Donc qu'est-ce qu'on fait pour trouver le calme? On inspire. Et on expire. Regarde les gens, ils vont bien te regarder. On inspire. Et on expire. Est-ce que tu te souviens du nom de cette posture quand je mets les bras en l'air au-dessus de ma tête? Il y en a beaucoup au ski. C'est la montagne. Ah oui, tu es prêt pour aller au ski? On démarre les pieds serrés. On est sur des patins. Attention, il faut faire très très attention. On est sur nos patins, les deux pieds serrés. Ok, on enlève une jambe. On est sur une jambe, on penche en avant. On met les bras sur les côtés. On allonge. Tu tombes. Et qu'est-ce que tu me fais là? Tu m'embêtes pour que je... Ouais, super. Ok, on revient sur ces deux pieds. On essaie l'autre jambe? T'es prêt? Tu fais une figure comme ça? Hop là. Allez, Philippe Candeloro. Ouais, super. L'autre côté, l'autre jambe. Je me mets sur mon pied, je fixe un point. Attention, on se calme, Anaëlle. On tend la jambe à l'arrière, on penche le buste en avant. Les bras sont sur le côté, ça nous aide un petit peu. Ok. Ouais, c'est vrai, tu peux utiliser maman ou papa pour t'aider. Hein. Et je reviens sur mes deux pieds. Mais quel coquin, celui-là. Anaëlle, j'ai une autre proposition. Tu sais ce qu'on veut faire aussi sur la neige? On peut faire de la luge. Alors, viens avec moi. Alors, la luge. On est en position assise. C'est toi qui conduis la luge? Allez, toi, tu es devant. En fait, tu vas pas conduire. C'est moi qui conduis. Hein. Ceux qui sont à l'arrière conduisent. Toi, tu vas me dire où on va. D'accord? Donc, à droite, à gauche, devant. Ok? C'est toi qui choisis. Ce qu'on doit faire, c'est partir du même côté en même temps. Ok? Donc, quand tu me dis à droite, il faut que tous les deux, on aille à droite. D'accord? Si tu me dis devant, tout droit, il faut qu'on penche. Ça marche? T'es prêt? Allez. On met ses bras. Ici! Ah oui, mais non, c'est pas ici. C'est soit à droite, à gauche ou devant. Pas ici. Sinon, je comprends pas, moi, ce qui suis derrière. À droite! À droite. C'est parti, on va à droite. À gauche. À gauche. Devant. À droite. Gauche. Devant. On penche devant. Ok. En arrière. Ouh là là. Attention, les abdos, pour, c'est sympa. En arrière. En arrière encore. Ouh là 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 là. En arrière, toujours en arrière, t'es un coquin. En arrière. Non, c'est pas possible cette blague. On revient devant. En arrière. Non, on fait une petite pause, t'es un coquin. C'est moi qui conduis maintenant, d'accord? Si, tu te mets derrière moi. Allez, c'est parti, change de côté. Allez, c'est maman qui... C'est moi qui dis on va, c'est toi qui conduis, mais c'est moi qui dis on va, d'accord? Toi, tu me suis, t'es prêt? D'accord. Tu me fais confiance? Tu me fais pas confiance. T'as peur. Accroche-toi bien, mon coco. Est-ce que tu es prêt? Oui. Donc, n'oublie pas la droite, ça a changé de côté. Hein. C'est par là, à gauche, devant et derrière. Quand je vais derrière, je dois m'appuyer sur toi. Hein.
Allez, tu es prêt? Vous êtes prêts à la maison? C'est parti, top départ pour la luge. Attention, attention, on va mettre les bras en l'air. On met les bras en l'air, s'il vous plaît. Très bien, très bien, très bien. On penche en avant, on va en avant à toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse. On revient les bras en l'air. Ouh, les bras en l'air, on penche pas en arrière. Oh là là, t'es tombé dans la neige. Attention, redresse-toi, on va à droite. Virage, 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 virage. On revient au milieu et à gauche, à gauche. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. On revient au milieu. Attention, en avant. À toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse. Hop, on revient. Nous sommes arrivés, Anaël. Ah, oh, ça va? Ouais. T'es un petit peu fatiguée? Est-ce que tu veux retourner à la maison pour manger un petit chocolat? Un petit chocolat chaud. Un petit chocolat chaud, quelle bonne idée. On va se redresser? Tu sais ce qu'on va faire? Tu te sens bien? On va faire... Attends, on va se détendre un petit peu. Moi, je me détends. Écoutez, si vos enfants ont besoin de se détendre, suivez-moi. Moi, je m'allonge comme ceci. Ouais, tu peux venir t'allonger avec ton doudou. Viens ici. Juste, voilà, allonge-toi tranquillement, Anaël. Sur mon ventre. Ben, pourquoi pas, c'est tellement dodu. C'est tellement agréable. Ah. Allez, on trouve le calme, on respire. On ferme les yeux. Voilà, chérie. Ferme les yeux. Mettez les mains sur le ventre et on inspire profondément. Le ventre gonfle comme un gros ballon. Et on expire doucement. On inspire, le ventre gonfle comme un gros ballon. Et on expire doucement. Avec les mains, on va frotter ces deux mains ensemble pour qu'elles soient bien, bien chaudes. Parce qu'après le ski, des fois, voilà, pour réchauffer ses mains, on fait ça, on les frotte et on vient les poser sur son visage pour sentir la chaleur entrer sur le visage, dans les yeux. Et on va caresser son front. Voilà, on touche son front, l'étire. Les joues, on fait des cercles sur ses joues. Voilà, on touche un peu son menton, sa nuque. Ok, on s'étire. On s'étire, on se grandit, on inspire. Et tout doucement, on relâche. On ouvre les paupières, on fléchit les jambes. On roule sur le côté, Anaël. On roule sur le côté, on repousse le sol. Et on va faire comme on fait à chaque fin de cours. Tu te souviens ce qu'on doit faire? Ouais. Et ce qu'on doit dire? Mais tu peux pas le dire avec ta tutute, c'est pas possible. Sachez que la tutute, dans quelques temps, c'est histoire ancienne. Hein, mon chéri? Tu te mets en position assise en tailleur? Je sais. Vas-y, montre-leur comment il faut faire. Alors, on inspire. On inspire en montant les bras vers le ciel et on prend beaucoup de quoi? D'amour. D'amour et d'énergie qu'on vient poser sur son cœur. Et on se dit... Maman. Namasté, on le fait encore une fois, on se grandit, on inspire, on prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour. On les pose sur son cœur et on dit Namasté. Namasté, mon chéri. Namasté, tu veux dire quelque chose aux gens? Parce que tu l'as dit rapidement dans l'intro, mais je ne sais pas s'ils ont bien compris. Parce que maman, elle a une chaîne YouTube et toi, du coup, tu as développé aussi ta chaîne YouTube. Ouais, je sais. Alors, vas-y, dis-leur. Là, je rien. Voilà, ça c'est souvent ce que tu dis, mais sur ta chaîne YouTube, tu proposes des vidéos, des petites vidéos sur les dinosaures, tout ça. Hein? Et puis, ben, si vous voulez le suivre, comment elle s'appelle ta chaîne? YouTube. C'est Anaël Mallier. Voilà, Anaël a créé sa chaîne. Vous allez voir, elle est super à l'aise, il est très rigolo, c'est très sympa ce qu'il propose. Ce qu'il propose. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger ma routine de yoga que je pratique au quotidien, c'est gratuit. Laissez-moi des petits commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions par rapport à vos enfants et à la pratique du yoga avec eux, n'hésitez surtout pas. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Maman.